Yo tout le monde, c'est Fimbu, on est parti pour une nouvelle carrière manager, cette fois-ci du côté de l'Allemagne avec le Bayern de Munich. On va faire une présentation de l'effectif très fourni de cette équipe du Bayern de Munich. En pointe, bien évidemment, Harry Kane, l'attaquant anglais qui est venu la saison dernière en provenance de Tottenham. Son transfert, c'est une réussite totale, malgré le fait que le Bayern n'ait pas remporté de titre. Pour le moment, c'est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. En numéro 10, on a Jamal Musiala, l'un des joyaux du football allemand et du football mondial, joueur très prometteur à son poste et qui va prendre la suite de Thomas Müller en meneur de jeu du côté du Bayern de Munich. La première recrue qui va être titulaire cette saison, c'est Michael Olise, le joueur français qui nous vient en provenance de Crystal Palace. Il va être très important sur le côté droit parce qu'il va prendre la suite de Kingsley Coman, qu'on va très certainement vendre. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Kingsley Coman va être vendu. Donc c'est lui qui va prendre la suite du Français, un Français remplacé par un autre. Au milieu de terrain, on est parti sur un double pivot avec João Palhinha et Joshua Kimmich. J'ai décidé de replacer Kimmich dans le cœur du jeu car pour moi, latéral droit, c'est pas le meilleur poste pour lui. Il faut qu'il soit dans le cœur du jeu, derrière un meneur de jeu, derrière des ailiers, derrière un attaquant. C'est un joueur qui peut créer et qui va être très complémentaire avec Palhinha. Palhinha en tant que numéro 6 pur et Kimmich en tant que numéro 6 mais qui peut créer le jeu et qui peut dézoner. Sur le côté gauche, Serge Gnabry. Ce n'est pas encore sûr que je fasse pas de recrue sur ce côté gauche mais pour le moment, on va faire confiance à Serge Gnabry qui a quand même beaucoup de performances notables dans des gros matchs avec le FC Bayern Munich. Sur le côté gauche, Alphonso Davies. Beaucoup de rumeurs le concernant pour un départ du côté du Real Madrid. On va le garder pour cette première saison, mais attention, c'est pas impossible qu'on le laisse partir en fin de saison s'il y a des offres de gros clubs qui arrivent. La défense centrale du côté du Bayern de Munich, c'est un sujet qui divise. On a eu le départ de Matthijs de Ligt, on a eu l'arrivée la saison dernière de Eric Dyer, qui a été très bon et qui a même mis sur le banc de Ligt ou Upamecano. Et donc on avait une charnière Kimmich et Eric Dyer. Ça a tenu le coup jusqu'au match aller face au Real Madrid, où Kimmich a totalement coulé et a participé à l'élimination de son équipe. À côté, on a Dayot Upamecano. On sait qu'il peut être coutumier du fait de réaliser des erreurs, mais dans l'ensemble, c'est le défenseur central moderne parfait et je vais beaucoup compter sur lui. Il sera très certainement titulaire indiscutable dans cette équipe. Vu qu'on a décalé Joshua Kimmich au milieu de terrain, il nous fallait un latéral droit et ce latéral droit, c'est Sacha Boué, 79 de général, le seul joueur de l'effectif qui est en dessous des 80 de général. Et franchement, je pense qu'il peut nous apporter beaucoup de choses. Il est plutôt complet, il est assez rapide. Il est correct en défense et en physique. Il a quand même un peu de dribble. C'est vraiment un très bon latéral droit. Il arrive en provenance de Galatasaray la saison dernière. Donc, Sacha Boué, il va falloir qu'il explose cette saison parce qu'on aura beaucoup besoin de lui. Dans les cages, bien évidemment, Manuel Neuer. Mais Manuel Neuer, il commence à se faire âgé. Vous voyez ici, âge 38 sur la droite de votre écran. Est-ce qu'on fait confiance à Manuel Neuer sur cette saison? On va déjà chercher son remplaçant pour pouvoir amorcer une nouvelle génération dans les cages du Bayern de Munich. Maintenant, on va passer au banc des remplaçants. Matisse Tel, qui sera doublure de Harry Kane, mais qui pourra aussi jouer sur les côtés. Le Français aura quelque chose à dire dans la composition de départ pour certains matchs cette saison. Kingsley Coman, malheureusement, on va le vendre. Il y a eu des rumeurs de lui en partance du côté de l'Arabie Saoudite, ou pourquoi pas un retour du côté du Paris Saint-Germain. On va le mettre sur la liste des transferts. De même pour Leon Goretzka. Leon Goretzka, c'est un joueur qui était exceptionnel, notamment pendant le Final 8, durant la période Covid, où le Bayern remporte la Ligue des Champions, notamment avec le 8-2 face au FC Barcelone. Et Leon Goretzka, eh bien, on va le vendre. Il va nous falloir donc une recrue sur le côté et une recrue au milieu de terrain. Thomas Müller, on va le garder pour cette saison. Ça va être sa dernière saison au Bayern de Munich. Il va être là pour épauler Jamal Musiala quand Musiala sera fatigué, mais il sera dans un rôle de remplaçant et de meneur d'effectif. Eric Dyer, il aura son mot à dire dans la rotation au poste de défenseur central. C'est un joueur qui est très 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 intéressant. Donc attention, Eric Dyer, il peut potentiellement passer titulaire. Hiroki Ito. Hiroki Ito, c'est potentiellement le remplaçant de Davies sur le côté gauche et
le remplaçant de Kim Min-jae sur le flanc gauche de la défense centrale. Il a cette polyvalence qui est très intéressante et il va nous apporter beaucoup de polyvalence dans la rotation. Sven Ulreich, bien évidemment, la doublure de Manuel Neuer depuis un grand nombre d'années. Rafael Guerrero sur le côté gauche, c'est pas impossible qu'il soit titulaire soit en latéral gauche, soit en milieu gauche. Et ça, c'est très bien, cette polyvalence de Rafael Guerrero. Il peut même jouer milieu de terrain. Leroy Sané, c'est un peu un sujet compliqué du côté du Bayern Munich, parce que c'est un joueur, à lui tout seul, il peut battre une équipe, mais à lui tout seul, il peut faire perdre son équipe aussi. Potentiellement, Leroy Sané, il peut passer titulaire à la place de Serge Gnabry, mais pour le moment, je vais laisser Serge Gnabry titulaire. On va voir ce qui va se passer durant l'intersaison. On avisera juste avant le début de la saison régulière en Bundesliga, en Pokal et en Ligue des Champions. Dans la réserve, on a Stanisic, Lehmer aura son mot à dire, que ce soit au poste de latéral droit ou au poste de milieu de terrain. Palinia vient à peine d'arriver, il n'a pas une place de titulaire définie. Pour le moment, Lehmer a quand même une place très importante dans cet effectif. On a notre milieu de terrain, Pavlovic, très 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 intéressant, 20 ans, des qualités de passe et de dribble pour son poste qui sont assez exceptionnelles à son âge. On va peut-être le prêter cette saison et pouvoir jouer avec lui la saison prochaine. Il est assez grand, 1m88, donc c'est vraiment une tour de contrôle au milieu de terrain. On a ici Daniel Peretz, le gardien israélien, 23 ans, qui est le troisième gardien de cette équipe du Bayern de Munich. Et après, on a, je crois, c'est le fils de Ibrahimovic qui a signé pro du côté du Bayern. Et après, on a Bushman et Aaron Kunda. Ce ne sont pas des joueurs sur qui je compte beaucoup. Donc, l'effectif, on peut se dire qu'il s'arrête ici à Konrad Leimer. Et limite, Leimer, je vais le mettre ici pour le moment à la place de Hiroki Ito sur le banc des remplaçants. Et Stanisic, je vais le mettre à la place de Urach. Donc voilà. Stanisic serait la doublure de Sacha Boué. Et Leimer, c'est un peu un joueur épouvantail dans cet effectif. Il peut jouer un peu partout. Donc voilà. Ça, c'était la présentation de l'effectif. Voici notre tactique. On est passé en tiki-taka avec le Bayern de Munich. Donc c'est vraiment un jeu qui va prôner le jeu de passe, le jeu de possession et le jeu de domination qui est voulu du côté du Bayern de Munich. Donc on va partir du gardien avec Manuel Neuer. Il aura un rôle de gardien libéro avec un objectif équilibré. Son rôle, ça va être de participer au jeu un maximum en utilisant sa bonne qualité de jeu au pied. La défense centrale avec Kim Min-jae, on l'a mis en stopper plus équilibré. Ça va être complémentaire avec Upamecano qui va être en défenseur relayeur. Un peu à l'image de la carrière qu'on a fait avec l'OM. Lilian Brassé dans un rôle très physique et d'interception du ballon, et Upamecano qui a aussi ce rôle, mais qui a en plus une qualité de relance très intéressante. Sur le côté gauche, bien évidemment, Davis, limite, c'est un piston, voire un ailier, vu ses qualités dans ses statistiques. Donc, on va le mettre en défenseur latéral offensif. Il va être très, très haut sur le terrain. On va mettre Sacha Boué en faux latéral. Sacha Boué, il va s'inscrire au milieu de terrain, et donc il va apporter une polyvalence et donc il va brouiller un peu les pistes tactiques de l'équipe en face. João Palhinha, on le met en défenseur central, défendre MDC. Donc il va s'incorporer entre Kim Min-jae et Upamecano dans les phases défensives pour pouvoir apporter de la stabilité. Et donc Kimmich, en meneur de jeu relayeur, va venir se placer derrière Musiala en tant que pur numéro 6 pour pouvoir diriger le jeu de ce Bayern de Munich. On va mettre Serge Gnabry en tant qu'attaquant intérieur pour le moment. On va tester différentes choses pour Serge Gnabry. Musiala, on va le mettre en 9,5. Vraiment, il va être collé à Harry Kane pour avoir une relation, pour pouvoir faire des 1-2 et combiner. Et il y aura aussi, bien évidemment, Michael Olise. Lui, ça va être vraiment un meneur de jeu. Il va partir du côté, il va rentrer sur son pied gauche pour pouvoir délivrer beaucoup de ballons. Et bien évidemment, Harry Kane, on va pas le mettre. On peut pas le mettre en une autre caractéristique que faux 9 parce que ça correspond pas à la tactique tiki-taka. Voilà ce que ça donne sans ballon. Donc, comme vous le voyez, Palhinha s'incorpore entre les deux défenseurs centraux. Kimmich se place en pur numéro 6. Alphonso Davies, en tant que défenseur latéral offensif, vous voyez, il est presque au même niveau que Serge Gnabry. Sacha Boué, c'est limite un deuxième milieu de terrain à côté de Joshua Kimmich. Olise, comme je vous le dis, il rentre sur son pied gauche et rentre dans l'axe. Et Musiala est collé à Harry Kane. Donc, franchement, c'est pas mal du tout, du tout. Donc voilà, ça c'était la tactique collective avec le Bayern. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez prendre le code de la tactique avec le Bayern, vous l'avez juste en dessous de FC
Bayern défaut, vous avez le code, deux points. Voilà. Vous prenez ce code et vous avez ma tactique avec le Bayern de Munich. Par rapport au centre de formation, on n'a pas encore assez de joueurs pour pouvoir faire les tournois de jeunes. Mais par contre, si on regarde notre équipe de jeunes, on a un gardien qui a 14 ans. Maintenant, on a des mecs qui ont 14 ans qui sont dans le centre de formation. Donc, il y a 72 à 94 de potentiel. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. On l'a mis en gardien libéraux, bien évidemment. Ici, sur le côté droit, on a Silvio Roman, un latéral droit aussi de 14 ans en roumain, 1m57. Je vais le faire passer en ailier droit parce que vous voyez, il a beaucoup de rapidité et du dribble. Ici, on a Michael Oliver, Mika Oliver, le finlandais. 64-86 de potentiel, c'est pas sûr qu'on le garde. Il a déjà 61 de général. On cherche un ailier pour pallier au futur départ de Kingsley Coman. Donc pourquoi pas le faire monter en équipe 1. Par rapport aux recruteurs, j'ai envoyé 3 recruteurs. Donc on a un recruteur qui est parti en Allemagne, qui est venu nous chercher un milieu de terrain. Donc soit MDC, soit MC, soit MOC. J'ai pas mis de rôle pour mes 3 recruteurs. Pour le deuxième recruteur, on est parti du côté de la France. On allait chercher un joueur de côté. Donc soit un milieu gauche, soit un ailier gauche. Et pour le dernier, on est parti du côté du Japon. Parce que mine de rien, il y a pas mal d'Asiatiques qui sont passés du côté du Bayern de Munich. Et là, on allait chercher soit un défenseur central, soit un numéro 6. Donc voilà. C'est les 3 instructions que j'ai données pour mes recruteurs. Et donc voilà pour le centre de formation. On va avancer tranquillement. Hop là. Continuer. On a un message de Manuel Neuer. Il nous dit bonjour. Au nom de toute l'équipe générale, vous souhaitez la bienvenue parmi nous. Tout le plaisir est pour nous. On est parti pour cette belle carrière manager avec le Bayern. On espère faire de grandes choses. On avance jusqu'à voir les matchs d'intersaison. J'ai reçu 2 offres, une pour Kim Min-jae que j'ai aussi finalement placé sur la liste des transferts, malgré ses qualités indéniables de défenseur. Il nous faut un défenseur plus fiable qui ne fasse pas d'erreur dans les gros matchs. On a une proposition de Leverkusen avec 4 millions plus Robert Heinrich. On va aller négocier pour pouvoir aller faire un échange. On a Iran Kunda qui a une offre de prêt de Wolfsburg. On va accepter. On va aller négocier cette offre pour Kim Min-jae. Le défenseur coréen avait fait une très très belle saison avec le Napoli quand ils avaient remporté le titre de champion, mais notamment amené par Kvaratskhelia et Osimhen. On va proposer autre joueur à échanger. Nous, on veut des arrières centraux. Et si on peut avoir Piero Hincapié, ce serait exceptionnel parce qu'il est gaucher, Hincapié. Donc, on va soumettre l'offre. Et il nous propose Jonas Hofmann. Donc, Hincapié, ils veulent bonne donnée. Arrière centraux, on va tester avec Tapsoba. Est-ce que Tapsoba, ça les intéresse? Nous, on veut retirer la somme. On veut pas de somme. On veut juste un échange de joueurs. On va mettre ici à 0. Voilà. Nous, on veut juste. Bah non, il nous propose pas. On va refuser. On va refuser cette offre du Bayer Leverkusen parce que mine de rien, c'est quand même l'un de nos plus gros rivaux pour le titre au champion d'Allemagne. Donc voilà. Première offre pour Kim Min-jae. Sachez que je l'ai mis sur la liste des transferts. On a une offre de prêt de la part de Manchester United pour Alexander Pavlovic. Un an de prêt. On va accepter si Paul Essagard du côté de la première ligue. Ibrahimovic, on va le prêter du côté de Portland. On a reçu une offre de transfert de la part d'Aston Villa pour Kingsley Coman. Je pense que la première ligue, ça peut être compliqué pour lui, mais Aston Villa, c'est un beau projet. Et il pourrait potentiellement remplacer Moussa Diaby qui est parti du côté d'Al-Ittihad. On va aller négocier cette offre d'Aston Villa. Mais je pense que si on arrive à faire partir Kingsley Coman du côté d'Aston Villa, c'est plutôt une belle porte de sortie pour le français. On doit proposer 62 millions. Je pense qu'ils ont quand même de l'argent en première ligue. Ils acceptent. Voilà. Unai Emery accepte 62 millions pour Kingsley Coman. Je pense que c'est plutôt pas mal du tout. Et on va pouvoir investir sur un nouveau joueur sur le flanc gauche. Kim Min-jae, on a reçu une nouvelle offre. Cette fois-ci, c'est l'Arabie Saoudite avec Al Ahly. On va aller négocier cette offre. Ils ont de l'argent aussi en Arabie Saoudite. On va pas se le cacher. Donc, on va essayer d'aller chercher beaucoup d'argent. On va mettre 56 millions cette fois-ci pour qu'ils ne veulent pas. On va proposer aux alentours de 50 millions, 50 millions et 500 000. Est-ce qu'ils acceptent? 46 millions. Allez, on va accepter quand même.
Parce que peut-être qu'il est dans sa dernière année de contrat. J'ai pas vérifié Kiminji. Je sais pas s'il est dans sa dernière année de contrat. On a accepté cette offre de 46 400 000 de la part de Al Ahly et on va voir ce que ça va donner. Et on voit, ça bouge déjà sur le marché des transferts. Gonçalves qui signe au Real, Robertson qui a signé à la Juventus, Akpoguma qui a signé à Saint-Pauli. Ouais, ça bouge déjà sur le marché des transferts. On a une offre pour Leon Goretzka. Malheureusement, c'est le Borussia Dortmund. On ne va pas renforcer un concurrent direct au titre de champion d'Allemagne. Donc, on va rejeter cette offre. Par contre, Iran Gunda va très certainement partir en prêt du côté de Wolfsburg. Et ça, c'est une bonne chose pour lui. On espère qu'il aura du temps de jeu. Allez. On a reçu une offre pour Leon Goretzka de la part de Monaco. On a négocié et on leur a proposé 45 millions monégasques qu'ils ont accepté. Potentiellement un départ de Leon Goretzka du côté de la Liga McDonald's. Et voilà, le premier départ marquant de cette carrière manager, c'est Kingsley Coman qui signe à Aston Villa. On lui a proposé quand même une porte de sortie plutôt alléchante, la Première Ligue, la Ligue des Champions avec Aston Villa, là où il sera un élément clé de l'effectif d'Unai Emery. Et on lui souhaite une très très bonne suite pour sa fin de carrière à l'international français. Le deuxième départ marquant de cet épisode, c'est Kiminji qui part du côté de Al Ahly en Arabie Saoudite. On fait vraiment un grand limogeage dans cette équipe du Bayern. Les indésirables et ceux qui n'avaient pas une place définie dans notre effectif, on préfère s'en débarrasser au lieu de les laisser pourrir dans notre effectif. Il part quand même du côté d'une destination assez exotique, mais il aura un très très gros salaire. Mais ça nous débarrasse d'un joueur qui, mine de rien, avec de très très bonnes qualités, mais dans les gros matchs, avait certaines limites. Nous, on veut des joueurs qui sont fiables, que ce soit en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions. Le dernier départ marquant de ce mercato, c'est Leon Goretzka qui part du côté, je sais pas où il part, soit Monaco, soit Benfica. On va voir ce que le jeu va nous afficher, mais en tout cas, Leon Goretzka, ça faisait peut-être une saison et demie, qui avait plus sa place en tant que titulaire du côté du Bayern de Munich. Il part du côté de Monaco. Monaco qui se renforce hein, avec quand même l'arrivée de Leon Goretzka au milieu de terrain. Ils auraient un milieu de terrain avec quand même Denis Zakaria et Lamine Camara et Leon Goretzka. Il arrive pour remplacer Youssouf Fofana qui est parti du côté de l'AC Milan. On est quand même sur un très très bon recrutement de la part de Monaco. On est à l'intersaison, donc voilà, on a les premières rencontres qui vont se décider, comme vous voyez, ça bouge encore sur le marché de transfert. Alex Baena qui signe du côté de Leicester, on a Kvyatkov qui signe du côté d'Hoffenheim, Leverkusen qui ont pour parler pour l'arrivée de Kevin De Bruyne, ça serait vraiment un très très gros coup de la part des hommes de Xabi Alonso. Regardez, avec les départs de Kimmich, les départs de Leon Goretzka et les départs de Kingsley Coman, on a 242 millions de budget. Je vais vous présenter le listing des transferts actuels et on va voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, on allait chercher différents postes clés. Le poste de gardien de but, j'en ai cherché trois. Malheureusement, Giorgio Bamarda, je lui dis, il a signé du côté de Liverpool et il est prêté un an encore du côté de Valence. Après, il va rejoindre le club des Reds coaché par Arne Slot. La piste principal, je pense que ce serait Diogo Costa, gardien titulaire de l'équipe du Portugal. Ça fait 2-3 saisons qu'il s'est imposé du côté de Porto. C'est l'un des gardiens les plus prometteurs pour la génération à venir. On l'a vu lors de l'Euro, notamment lors de séances de tir au but. C'est un très très bon gardien avec une très très bonne détente. Il pourrait être très intéressant pour remplacer Manuel Neuer. Le dernier gardien qu'on a mis, c'est Yacine Bounou. Il y avait beaucoup de rumeurs après la très très belle Coupe du Monde du Maroc, comme quoi il viendrait du côté du Bayern de Munich. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il est parti du côté d'Al Hilal. Pourquoi pas le faire revenir du côté de l'Europe? Mais il a quand même déjà 33 ans. On cherche plutôt un gardien d'avenir. Du coup, on se dirigerait plutôt vers Diogo Costa. La défense centrale. On a eu le départ de notre ami Kimmich. Et donc, on va se renforcer sur ce poste-là. Et là, on a mis plusieurs noms. Piero Incapié, le défenseur central du côté du Bayer Leverkusen. C'est pas un titulaire indiscutable dans cette équipe de Leverkusen. Vous avez quand même Tapsoba, Kossounou et Jonathan Tah qui sont plus souvent titulaires que lui du côté de Leverkusen. Donc pourquoi pas l'attirer du côté du Bayern de Munich. Là, il aurait potentiellement un rôle de titulaire aux côtés de Dayot Upamecano. L'autre idée,
C'est Edmond Tapsoba. Lui, il n'est pas gaucher, mais il a quand même déjà 4 de mauvais pieds. Et c'est l'un des défenseurs centraux les plus forts du jeu, je pense. Il y a des statistiques exceptionnelles. Il y a stopper plus, défenseur relayeur plus. Donc franchement, c'est très très bien. Et il est plutôt complet défensivement. Et la piste principale à ce poste-là, c'est Ronald Araujo. Beaucoup, beaucoup de rumeurs l'annonçaient du côté du Bayern de Munich sous Thomas Tuchel. C'est l'un des meilleurs défenseurs, peut-être le meilleur défenseur central du jeu en régulière avec Antonio Rüdiger. Il est exceptionnel, 25 ans, dans la fleur de l'âge, 80 de rapidité, 84 de défense, 83 de physique. Je pense qu'on coûterait aux alentours de 100 millions d'euros, mais ce serait un investissement réussi, je pense. L'une des autres options, c'est Bremer. Par contre, il a que 2 de mauvais pieds, le défenseur brésilien, mais c'est l'un des tauliers du côté de la Juventus. Je pense que ce serait difficile de le faire venir du côté du Bayern de Munich, sachant qu'on a quand même Thiago Motta qui est arrivé, l'équipe qui revient en Ligue des Champions et qui aura son mot à dire en Serie A. Donc ça va être assez compliqué de le faire venir du côté du Bayern. Jonathan Tah, maintenant, il lui reste un an de contrat, il n'a toujours pas prolongé, j'ai regardé dans le jeu, 28 ans, titulaire avec l'équipe d'Allemagne lors de l'Euro, très bel Euro de sa part. Il a quand même des stats physiques très très fortes, par contre. La vitesse, c'est pas son point fort, mais à côté, on aurait un Dayot Upamecano, donc ce serait très complémentaire. Donc, je pense que Pierrot Hincapié serait la piste privilégiée parce qu'il est gaucher et ce serait le profil parfait pour remplacer Kim Min-jae, rapide et très complet. Il a quand même des statistiques assez correctes en dribble et il est assez jeune, 22 ans, donc il a encore une grosse marge de progression. Donc, Pierrot Hincapié à suivre. On a Mbamba. Maintenant, on passe au milieu de terrain. On va aller chercher un numéro 6 assez jeune qui pourrait être dans la rotation. Donc Mbamba, on a rajouté Fran Beltran. Ça pourrait être pas mal du tout. Par contre, il est un peu petit quand même, 1m65, mais techniquement, c'est très très fort Fran Beltran. Vous voyez, 77 d'agité, 79 d'équilibre. Des très très belles stats de passe, 80 passes, 83 passes courtes. J'ai rajouté Marc Bernal, le joueur de la Masia, malheureusement, il s'est fait les croisés. Il vient de commencer en pro. On va le laisser pour le moment du côté du FC Barcelone et même 64 de général, c'est beaucoup trop faible, je pense. On a rajouté différents joueurs, je ne suis, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai rajouté dans la liste des transferts. Sewald, là on commence à arriver sur des joueurs plus intéressants. 23 ans, 77 de général, il évolue à Leipzig. Ça nous coûterait aux alentours de 30 millions d'euros. Il pourrait être pas mal du tout au milieu de terrain, il est assez complet. Il est à presque 75 partout. Il a une grosse marge de progression, donc pourquoi pas Nicolas Sewald, l'Autrichien. Je pense que la piste privilégiée, c'est Eric Martel. Lui, c'est un pur numéro 6. Il est très très fort. Il pourrait jouer défenseur central. 22 ans, 1m88. Lui, ce serait la doublure parfaite pour João Palhinha. Et par contre, le numéro 6 que je vais aller chercher et qui peut potentiellement, à terme, aller chercher une place de titulaire, c'est Samuele Ricci. On a regardé le match de l'équipe de France face à l'Italie. Et ce milieu de terrain, il est très très fort. Il est très très fort. 1m81. Assez complet, 22 ans, 77 de général. Il joue du côté du Torino. Arrivé au Bayern de Munich, ce serait une très très belle progression dans sa carrière. Donc pourquoi pas Samuel Ricci, c'est un milieu de terrain. Ouais, même je vais le recruter dès maintenant. On va le recruter dès maintenant. Je pense que Samuel Ricci, ça pourrait être pas mal du tout. On va approcher pour achat le joueur italien. Lui, c'est, je pense que c'est ma priorité au milieu de terrain. Franchement, il m'a tapé dans l'œil lors de la rencontre face à l'équipe de France en Ligue des Nations. On va proposer 25 millions pour Samuel Ricci. Ils acceptent 25 millions pour Ricci. Parfait. On va négocier et on aurait déjà peut-être notre première recrue du côté du Bayern de Munich. Donc on va lui proposer un rôle. Bon, un rôle sporadique ou de rotation. Je sais pas ce qu'il va accepter. Bon, sporadique, il accepte, c'est parfait. On va lui proposer 5 ans. Il est modélisé. C'est un plus quand même pour le réalisme. Et maintenant, avec la nouvelle technologie, je ne sais plus son nom, mais la plupart des joueurs, ils ont quand même une ressemblance minime ou importante avec leur tête dans la réalité. Voilà, c'est bon. Samuel Ricci rejoint le Bayern de Munich. Première recrue. Il vient remplacer Leon Goretzka. Il a 22 ans. C'est un joueur très prometteur au milieu de terrain. Il va apporter beaucoup de choses. Il est même déjà appelé en équipe d'Italie. Donc, franchement, lui, c'est l'avenir au milieu de terrain du côté du Bayern de Munich. Donc attention, Samuel Ricci, retenez bien son nom. Il vient remplacer Leon Goretzka. Et pour remplacer Leon Goretzka, il faut avoir des qualités indéniables.
On va voir la note que le CA nous donne, 25 millions. Et quelle note de la part du CA par rapport à la valeur du prix? Il nous donne Betclic, c'est parfait. Voilà, on a terminé 1 sur 2 recruté un jeune joueur. Donc voilà, Samuel Ricci, première recrue de cette carrière. Voilà, on a terminé par rapport au milieu défensif. Maintenant, on passe aux ailiers. Il nous faut un ailier pour remplacer Kingsley Coman. Et là, on a plusieurs noms intéressants. Les plus intéressants, je dirais que c'est Jérémy Pinault. Alberto Molero, lui, est très polyvalent. Il peut jouer milieu gauche, milieu central, milieu offensif central. On a Diego Lopez, 22 ans. Joueur très intéressant. J'ai regardé jouer Valence. Franchement, il est très très bon. Pinault et Gittens. Je voulais les faire venir malheureusement. Il a déjà signé du côté de Séville. Lui, il est vraiment très 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 fort. Durand, lui, ce serait plutôt pour l'avenir. Mais bon, 66 de général, c'est encore un peu tendre. Kaminski, ça pourrait être pas mal du tout. Assez rapide, 22 ans. Un profil pas similaire à Kingsley Coman parce qu'il a pas beaucoup en dribble et en qualité de passe. Ealing Junior, ça aurait été pas mal du tout, mais il est prêté du côté de Aston Villa. Et donc, je pense que on se dirigerait plutôt soit vers Jérémy Pinault ou Alberto Molero. Dites-moi votre avis. Et voilà. On a recruté déjà notre milieu défensif avec Samuel Eric'hi. Et il nous manque un défenseur central, potentiellement un gardien de but et un milieu gauche. Donc, sur un milieu gauche et un défenseur central, et potentiellement un numéro 1 dans les cages. Numéro 1 dans les cages pour remplacer Manuel Neuer qui est dans sa dernière année de contrat. On va mettre notre ami Samuel Eric'hi sur le banc des remplaçants à la place de Daniel Peretz ici. Voilà. Parfait. Samuel Eric'hi qui va être pour le moment remplaçant. Mais potentiellement, on peut replacer Joshua Kimmich dans la défense à droite et mettre Samuel Eric'hi en tant que titulaire au milieu de terrain. Mais il y a quand même Lehmer. Faut pas oublier Konrad Lehmer. Donc voilà. Il y aura de la concurrence dans ce milieu de terrain. Il est où notre ami Samuel Eric'hi? Il a récupéré le numéro 8. Voilà, parfait. Il a récupéré le numéro 8 de Leon Goretzka. Samuel Eric'hi, on va lui apprendre meneur de jeu relayeur. Ça va être un peu la doublure de Joshua Kimmich pour le moment. À voir ce que ça va donner. Donc on va avancer tranquillement vers la première rencontre d'intersaison. Allez, on est parti pour cette première rencontre face à Aston Villa. On va regarder l'analyse de l'adversaire. Est-ce que Kingsley Coman est déjà dans la composition de départ? Non. Pour le moment, il n'y est pas encore Kingsley Coman. Pourtant, on l'a bien vendu du côté de Aston Villa. Donc Aston Villa a quand même Watkins qui est plutôt intéressant. Leon Bailey sur le côté droit. Leur grosse recrue. Si vous suivez la première ligue à Aston Villa, allez regarder Amadou Onana, il est exceptionnel au milieu de terrain. C'est un milieu défensif, il a déjà marqué 3 buts depuis ses débuts du côté d'Aston Villa. Il fait vraiment un très gros début de saison. La défense centrale qui est vraiment très très bonne, Pau Torres Conceição. Dans les cages, bien évidemment, Emiliano Martinez, le défenseur central, non, le défenseur central, le gardien le plus détesté de France. Sur le banc, on a du très très bon quand même. On a du Yann Madsen, on a du Jacob Ramsey, du John Duran. Vraiment une très très belle équipe et ça joue avec du loin devant, ok. Avec une tactique loin devant pour nos amis de Aston Villa. On va faire l'entraînement d'avant-match. J'ai regardé dans les informations transfert, Kevin De Bruyne a signé du côté du Bayer Leverkusen. Donc vous voyez ici, De Bruyne, il a bien signé du côté du Bayer Leverkusen. Ça, c'est un très très gros renfort hein, pour les hommes de Xabi Alonso. Et ça va faire très très mal. On fait l'entraînement d'avant-match. Je monte la compo de départ et on est parti pour le premier match d'intersaison avec le Bayern. Voici la composition de départ pour cette première rencontre avec le Bayern de Munich. Donc Harry Kane en pointe, Jamal Musiala en meneur de jeu. Sur les côtés, Niabre Davis, Olise, Sacha Boué, le milieu de terrain, Joshua Kimmich et João Palhinha. La défense centrale, on a donc Dayot Upamecano et Eric Dyer. J'ai regardé juste avant de lancer cette rencontre, Piero Hincapié a reçu une offre. Donc si on veut recruter Hincapié, il va falloir que ce soit très rapide. Manuel Neuer dans les cages. On est parti pour cette première rencontre d'intersaison. Salut tout le monde, quel On est plaisir de parti vous pour cette retrouver ici. rencontre Les face à Aston conditions Villa. sont absolument. Voilà, bonne passe ici sur Oli Watkins, la Et frappe, la bien première sûr, parade de Manuel Neuer. Harry Kane par-dessus Attention, pour peut-être avec Musiala, la frappe croisée de l'Allemand et ça va aller en corner. La première grosse situation pour le Bayern, mais ce carton jaune pour Amadou Onana suite à une faute. On va revoir le ralenti. Ouais, y a rien à dire. Grosse faute sur Sacha Boué, carton jaune mérité. Ouais, c'est à mi-temps Et voilà, face à l'arbitre Aston siffle à Villa. l'instant la faute de Karim Benzema, 0-0, on a eu quand même les plus belles occasions. On a eu juste peur sur la Harry frappe de Kane Oli à l'image Watkins et en pour début de l'instant rencontre, mais dans l'entraîneur l'ensemble,
on domine. On est passé en 4 minutes la mi-temps. Et si on regarde le nombre de passes, il y a plus de passes de côté. On a un peu plus de possession de 3 tiers 2. Un match assez équilibré. On va faire rentrer notre ami Leroy Sané sur le côté gauche à la place de Serge Gnabry. Et on va faire rentrer notre ami Samuele Ricci. Samuele Ricci, on va lui changer son rôle. Il ne va pas être en défenseur central. Il va être en meneur de jeu relayeur dans le même rôle que notre ami Joshua Kimmich. Et on va voir ce que ça va donner. On teste une autre tactique pour nommer le terrain. On va voir l'apport de Samuele Ricci au milieu terrain. Kane qui peut décaler sur Sané. Pour revenir, Kane le décalage, la frappe et l'ouverture du score du Bayern de Munich. 50e minute de jeu. Qui d'autre que Harry Kane, le buteur anglais, pour mettre le premier but de cette saison avec le Bayern de Munich. Il a sa célébration cette année, je ne savais pas. Il a sa célébration, Harry Kane, voilà, parfait, très très belle action, avec Sané qui remet en retrait sur Musiala, Musiala avec Kane, voilà, c'est ça qu'on cherche, c'est la relation entre Harry Kane et Musiala, la très bonne passe de la part du milieu offensif allemand, le buteur anglais qui finit, ouverture du score face à Villa, 50e minute de jeu. Un jeu ça de la part de Tielemans, avec Bailey, bonne défense de la part de Leroy Sané, touche, on va faire d'autres changements, on va tester d'autres joueurs. On va faire rentrer bien évidemment Thomas Müller. Konrad Leimer, on va le tester au poste de latéral droit. Stanisic, on va le tester en défense centrale à la place de Dayot ou Upamecano. Il a combien en mauvais pied? Stanisic, ok, c'est parfait, il a 4 de mauvais pied. Guerrero, on va le mettre défenseur gauche. Et Matistel va rentrer à la place de Harry Kane. Michael Olise va finir son premier match en tant que titulaire du côté du Bayern de Munich. Bien joué à une touche. On va croiser avec Michael Olise dans ses contrées. On approche de la fin de cette rencontre. On approche de la fin de cette rencontre. Voilà, première victoire enfin sur F75 en carrière. 1-0 face à Aston Villa. Très belle équipe d'Aston Villa. On a su prendre le dessus dans la seconde période. Et franchement, je suis plutôt surpris de certains joueurs. Eric Dier, il est très très bon. Eric Dier, ce qu'il a fait pendant cette rencontre, c'est pas mal du tout. On va voir le schéma de passe. Alors, il faut qu'on se serve un peu plus de notre gardien. On voit que nos milieux de terrain, Samuele Ricci et Kimmich, ont été omniprésents. Franchement, Ricci, il a été plus que bon. Si on voit dans les performances, on va regarder. Samuele Ricci, il est rentré vers la 60e, 6,5 de note. Si on va dans ses statistiques de passe, pression des passes 89%. C'est pas mal du tout. Et il a été omniprésent. Il a réussi toutes ses passes. Il en a loupé une seule qui était cotée comme hors-jeu. Mais il a été quand même réussi. Bien évidemment, Harry Kane et Musiala, toujours très très bon. Leroy Sané, très très bon entrée. Leroy Sané, il a été très très bon. Le joueur allemand. Donc, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout ce qu'il nous a fait, Leroy Sané, dans cette rencontre. Le prochain match, ce sera face à Chelsea. Alex Berger qui signe du côté de Lyon. Est-ce qu'on a d'autres transferts? Est-ce qu'on a d'autres transferts? Non, on n'a pas d'autres transferts. Mais ouais, pas mal du tout. Juste, on va les mettre pour le plan d'entraînement au titulaire. Donc voilà, moi ce que je fais, je vais dans le plan d'entraînement. Pour ceux qui sont titulaires, déjà, il y a un problème dans la tactique. Composition d'équipe, le titulaire pour le moment, aux côtés d'Ayot Upamecano, c'est Eric Dier. Par contre, on va aller voir de suite Piero Incapié, quelle équipe s'est aligné pour pouvoir le recruter. Moi ça m'intéresse parce que c'est quand même peut-être mon titulaire à gauche dans ma défense centrale. Donc on va aller voir ça très rapidement. Juste on va mettre ici axé sur l'énergie appliquée au titulaire et le reste on va laisser ici, voilà, axé sur la performance. Non, on va mettre en équilibré quand même, sinon ils seront cuits. Appliqué, replace au réservé, soit on met en équilibré. Donc là c'est pas mal du tout, voilà. On va aller dans la queue des transferts, on va aller voir Piero Incapié. C'est Manchester City qui a approché Piero Incapié, donc vous voyez, hein, on n'a pas eu une mauvaise idée quand même d'aller chercher l'équatorien. Je sais pas quelle offre ils ont fait, mais je pense qu'on va devoir s'aligner, hein. Je pense que face à Manchester City, aucune équipe au monde peut rivaliser sur le marché des transferts, sachant qu'ils proposeront plus d'argent et que ouais, la seule équipe je pense qui peut rivaliser avec City sur le marché des transferts, c'est les Real ou le Paris Saint-Germain en termes d'argent. Nous, on est là sur cette carrière, on a beaucoup d'argent, mais si on reste réaliste, on ne peut pas s'aligner face à Manchester City. On va voir
Si ça conclut face à Manchester City, nous en tout cas, on va se diriger vers le prochain match face à Chelsea. Enfin, voilà. On a un changement de patron, une offre de transfert de Brighton pour Dayot Upamecano. Bien évidemment, on va rejeter cette offre. Upamecano, c'est le taulier de cette équipe. On a un nouveau poste pour notre joueur du centre de formation, le Roumain Roman. Si on le fait passer en ailier droit, on va aller voir. Passe à 53. Il passe à 53 de général. Tout par moment, on va l'améliorer en finition et en passe, bien évidemment, le mettre en attaquant intérieur. Donc voilà. Ça bosse dans notre centre de formation. On attend les premiers rapports de nos trois recruteurs. Et on va les faire tranquillement. La rencontre face à Chelsea. Est-ce que Chelsea s'est imposé pour sa première rencontre? Je ne crois pas. On a Nico Williams qui signe du côté de l'Union de Berlin. Ok, ça bouge, hein. Ça bouge sur le marché transfert. Est-ce que Chelsea. Non, Chelsea a perdu face à l'Atalanta. Ok, Chelsea a perdu face à l'Atalanta. Donc, c'est plutôt de bon augure. On va regarder l'équipe de Chelsea. Donc, Nicolas Jackson, comme on l'a vu sur TikTok, en attaquant pointe. Enzo Fernandez en numéro 10, ce fumier Enzo Fernandez. Cole Palmer sur le côté droit, le meilleur joueur de cet effectif. Pedro Neto, nouvelle recrue sur le côté gauche. Le milieu de terrain, Romeo Lavia et Caicedo. Côté gauche, Cucurella. La défense centrale, Colwill et Fofana. À droite, Gusto. Et dans les cages, Sanchez. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis Zidane. Non, j'aurais mis Nkunku au numéro 10. Sancho côté gauche. Et Félix en pointe. Ouais, ce que j'aurais fait. Ce que j'aurais fait. Mais ils ont quand même une équipe qui est plutôt intéressante. Hein. Je fais l'entraînement d'avant-match et on se retrouve pour la composition de départ. On a de la fatigue un peu sur le 11 de départ. Va y avoir des changements pour cette deuxième rencontre face à Chelsea. Sur le côté droit, on va donc avoir les débuts de Leroy Sané en tant que titulaire. La défense centrale, il y a un peu de fatigue. C'est pas grave, on a Hiroki Ito qui peut débuter la rencontre. Il est gaucher, c'est parfait pour pouvoir jouer sur le flanc gauche de la défense centrale aux côtés de Dayot Upamecano. On va tester Konrad Leimer en latéral droit, Sacha Boey, pas beaucoup vu avec son rôle de faux latéral. Leimer en tant que faux latéral, je pense qu'au milieu de terrain, ça peut être pas mal du tout. Et j'ai beaucoup aimé la prestation de Samuel Eriti face à Chelsea. Il mérite sa première titularisation. Et lui, bien évidemment, on va lui changer son rôle à Samuel Eriti. On va venir ici. On va lui mettre meneur de jeu relayeur. On va lui mettre dézoné. Voilà, de même que Kimmich. Il était très très bon dans ce rôle face à nos amis de Aston Villa. On est parti face à Chelsea pour le deuxième et dernier match de cet épisode. On est parti pour cette rencontre face à Chelsea. Il faut s'imposer et enchaîner une deuxième victoire face aux Blues. Axe. Nkunku, quelle passe! Quelle passe de la part de Christopher Nkunku! Voilà, je m'attendais pas. Heureusement que le joueur de Chelsea loupe son face-à-face face à Manuel Neuer. Mais déjà, premier avertissement dans les débuts cette rencontre. Mais oui, Harry Kane, l'interception d'Harry Kane, Musiala qui va enrouler. Il s'est capté facilement par Jorgensen. Ça joue rapidement et Upamecano qui est vigilant. Il peut décaler directement sur Leroy Sané sur le côté. Il y a le décalage sur Harry Kane dans l'axe. Allez, l'accélération d'Harry Kane. Il passe au physique face à la défense de Chelsea et il finit. Magnifique Harry Kane. Et ça repart magnifiquement. Sur cette rencontre, Harry Kane qui met une nouvelle fois le premier but de la rencontre. Et cette action, ça part d'une passe de Dayot Upamecano qui dépasse sa fonction. Il anticipe bien, il récupère le ballon, il décale sur Leroy Sané. Leroy Sané, passe décisive, voilà. On a eu raison de le passer titulaire sur cette rencontre. Michael Louise était de toute façon trop fatigué pour débuter le match. 1-0 face à Chelsea. Ouais, loupé ce renvoi de la part de Manuel Neuer, mais c'est pas grave. C'est la mi-temps, on mène 1-0. Face à Chelsea sur l'ensemble du match, c'est plutôt mérité. Attention à la très très grosse occasion des Blues en début de rencontre avec Velasco qui a failli ouvrir le score. Il faut être vigilant face à cette équipe de Chelsea et aller chercher un deuxième but pour faire le break et se mettre à l'abri. Ouais, il est passé face à Leimer, David Washington. Attention en retrait sur Christ. Ouah, quel dribble! Quel dribble de la part de Christopher Nkunku! M'a complètement mystifié avec ses petites roulettes là sur le côté droit. Il enroule. Voilà, c'est la classe. Hein. C'est la grande classe, Christopher Nkunku. Après ce but, on va faire des changements. Mais là, on ne peut que s'incliner quand on voit
Des actions pareilles. On va faire rentrer Serge Gnabry à la place de. Non, on va faire rentrer plutôt Matistel à la place de Serge Gnabry. Et on va tester Raphaël Guerreiro au milieu de terrain à la place de Joshua Kimmich. Et maintenant, on va passer Joshua Kimmich sur le côté droit à la place de Konrad Leimer. On va voir ce que ça donne en tant que latéral droit, notre ami Joshua Kimmich. Réduction du score et revenu à égalité des joueurs de Chelsea. Il va falloir aller chercher un deuxième but pour pouvoir s'imposer. Pourquoi pas ici hein. Pourquoi pas ici avec Alphonso Davies. Il est plus rapide le Canadien. Faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Davies en retrait. Matistel. Oh, je la voyais dedans. Je la voyais dedans cette frappe. Notre entraîneur aussi, je la voyais dedans. Cette frappe du français, ah, c'est dommage. C'est dommage, mais en tout cas, très très bonne entrée de sa part. Par contre, là, il y a décalage sur Matistel. Qui va faire la passe dans l'axe? Il y a Jamal Musiala qui était tout seul. Ça fait 2 buts à 1, 77e minute de jeu. Et qui d'autre que le joyau du football allemand pour nous permettre de reprendre l'avantage face à Chelsea? Quelle entrée de la part de Matistel. Harry Kane, la remise est parfaite. Matistel, l'accélération. Musiala est seul devant le but. Ça fait 2-1 face à Chelsea. Et Matistel qui fait vraiment une entrée exceptionnelle. Oh, attention, il est passé Nicolas Jackson. Et la bonne parade de Manuel Neuer. C'est bien joué là. On a fait avoir l'égalisation de Chelsea. Et pourquoi pas maintenant une contre-attaque. Bien défendue de la part de Badiachil. Il va retrouver Musiala. Musiala, ça va être intercepté, mais ça va être la fête cette rencontre. Magnifique, très très belle rencontre. La face à Chelsea, il y a eu beaucoup beaucoup de rythme. Victoire 2-1, on enchaîne deuxième victoire d'affilée avec le Bayern de Munich. Par contre, on a encaissé un but. Et on va regarder les détails de la rencontre. Voilà. On a inversé les rôles par rapport à la possession. On a tiré 5 fois contre seulement eux pour 3, 2,2 d'expected goal, 92 passes. C'est une très très belle rencontre de notre part. Précision des passes 84% seulement. Il va falloir que on s'améliore par rapport à ça. Mais on voit que là, Manuel Neuer, il a participé un peu plus au jeu. Et ça peut-être, ça nous a permis d'aller chercher d'autres possibilités. Mais quelle entrée de la part de Matistel qui a été exceptionnelle sur le côté gauche. Donc là, on a une alternative qui est plutôt intéressante. Matistel peut jouer en pointe, mais peut aussi jouer sur un côté. Car il a les qualités nécessaires pour pouvoir jouer sur ce poste-là. Gaïa est signé du côté du Paris Saint-Germain, Andros du côté de Mönchengladbach. Et après, on n'a pas d'autres informations par rapport au mercato. Il nous reste encore 215 millions dans les caisses. Vous voyez, on est premier de notre intersaison pour le moment. On va avancer pour le match face à la Juve. On a une offre de la part de Dortmund pour Stanisic. Bien évidemment, on va la refuser, cette offre. Stanisic, ça reste du côté du Bayern de Munich. On avance tranquillement. On a une offre du Bayer Leverkusen. Vous avez déjà pris Kevin De Bruyne. Laissez-nous Joshua Kimmich. Bien évidemment, Joshua Kimmich, il va rester du côté de la Bavière, comme on pourrait dire. Voilà. Là, on se laisse ici pour cette rencontre face à la Juve. Je pense que je la ferai en off et qu'on se retrouvera pour le début du championnat la prochaine fois. Mais en tout cas, le programme de la prochaine fois, ce sera un match face à Wolfsburg, certainement. Le match de la Juve, je pense que je vais le faire en off. Donc, on va commencer la Bundesliga face à nos amis de Wolfsburg à l'extérieur. Donc, un match pas facile. Et on enchaînera face à Fribourg. Et on terminera l'épisode face à Holstein Kiel. Donc, le prochain épisode, on doit minimum faire 6 points. Parce que dépassement à l'extérieur face à Wolfsburg, normalement, on doit s'imposer. Mais ce sera pas simple. Et le troisième épisode, ce sera déjà le début de la Ligue des Champions face au Dynamo Zagreb. Donc là, ce sera franchement quelque chose de très très bien. Donc voilà, c'était ce premier épisode. On va juste aller chercher notre ami Pierron Capi. Est-ce qu'il est parti? Non, ça a été rejeté. L'offre de Manchester City a été rejetée. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc dites-moi dans les commentaires si on prend Pierrot Incapié ou pas. Je vous laisse sur le listing des transferts. Je vous le redéfile. Mettez pause si vous voulez voir tous les joueurs qu'on a observés. Donc voilà. Ça, c'est tous les joueurs qui sont intéressants et qui pourraient rentrer dans le projet Bayern de Munich. Donc voilà, c'était Fimbu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. C'est la fin de ce premier épisode avec le Bayern de Munich. Au week-end prochain. Ciao!